qu'est-ce qui m'attend dehors, j'en sais rien. Alors je me repose un peu encore, et puis on verra bien. 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 Du coup, pourquoi mieux seul ? Le nom mieux seul, en fait, il est venu parce que on se sent un peu à l'écart de la société, qu'on se sent un peu différent. Et du coup, on voulait dire qu'on était mieux seul ensemble avec la famille, par exemple, et qu'on avait peu de liens par rapport aux gens dans la société, qu'on était un peu en désaccord avec celle-ci. Et du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas l'appeler mieux seul, le groupe. Enfin, en tout cas, c'est mon frère qui l'a trouvé, ce nom-là. Et puis après, moi, du coup, je suis arrivée, mais on a gardé ce nom-là, parce que moi aussi, je suis d'accord avec ce que mon frère ressent par rapport à cette société, etc. La musique, en fait, ça a toujours été, en tout cas, tout d'abord pour mon frère, quelque chose d'important. Il en fait depuis tout jeune. Il a commencé par la guitare et il a eu aussi une table de mixage. Et en fait, il créait ses propres musiques, etc. Et du coup, il a toujours été plongé dedans. Et peu à peu, il m'a amené avec lui dans ce monde de la musique. Et du coup, moi aussi, j'ai commencé à en faire un petit peu, de la guitare, du chant. Et en fait, on a toujours eu ce goût pour la musique, de la faire, mais en même temps aussi d'en écouter. Donc ça a toujours été un peu ancré en nous et ça a été un peu notre lien entre frères et sœurs. Rien que du brouillard, y'a ni joie, ni désespoir. Pas d'amour, pas de haine entre les parois de l'abdomen. Pas d'amour, pas de haine entre les parois de l'abdomen. Nos influences, du coup, je dirais qu'elles sont assez variées, et au niveau tant des époques que des styles. Donc, par exemple, on est très fan de Stromae. On a aussi beaucoup des inspirations 80, donc tout ce qui est New Wave, donc Depeche Mode ou encore Phil Collins. Mais également aussi, je dirais, un peu un côté Noir Désir, qui est aussi beaucoup dans le parler, mais aussi dans le côté musical et peut-être côté sombre parfois de nos musiques. Je ne suis pas encore sortie, ce sera l'enfer ou le paradis. Les yeux fermés, les jambes pliées, juste un cordon pour respirer. Ici, rien à oublier, y'a ni futur ni passé. Les textes pour nous, ça a une grande importance parce qu'on y dénonce des choses et aussi on parle de nous-mêmes, de nos pensées intérieures, etc. C'est comme un exutoire et ça permet de nous exprimer sans réelle peur. En fait, avec la musique, tout ça, ça passe plus facilement, entre guillemets. Je ne sais pas comment dire ça. Et du coup, je trouve ça important dans les textes d'y mettre de l'honnêteté, notre cœur, etc. Je pourrais dire des choses qui sont pour nous importantes. Et d'avoir ce groupe avec mon frère, ça permet d'avoir quelque chose d'autre qui nous lie ensemble et du coup qui permet d'avoir cette relation de frère et sœur, mais différemment, en fait, parce que dans la musique, du coup, on vit des choses uniques, et aussi, je pense, ça permet d'avoir une plus grande confiance en soi, et de réussir à parler, entre guillemets, à chanter devant des gens, de dire des choses, ça permet de s'ouvrir plus au monde. Après, j'ai mes petits rires à la fin. Grande réflexion.